Dans un pays lointain, très très loin, quelqu'un de très spécial se promène. Qui cela peut-il bien être? Mais oui, bien sûr, c'est le Père Noël. Thomas, quelle vue splendide! Bonjour! Allez, je crois que je ferais mieux de rentrer cuisiner. Voici mon assistant, Gaufrette. Suis-moi, Gaufrette. Allez vite, mon toutou. Je suis affamé. Thomas, préparons des biscuits, du beurre, plouf. Que pouvons-nous mettre d'autre? Eh, petit gourmand, va! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, le dernier numéro du journal du Père Noël. Thomas, tiens, tiens, c'est quoi ça? Un article sur toi dans notre journal? Avec ta photo en première page en plus? Incroyable! Regardons ce qu'ils disent sur toi. Tiens donc! Je sais que tu vas à l'école maternelle. Et voici une photo de toi. Félicitations, tu es toujours souriant. Ils disent également que parfois, tu ronges tes ongles. C'est vrai ça? Tu feras des efforts? Mais oui, j'en suis sûr. Bon, je dois finir de préparer mes biscuits. Je vais mettre de la musique et retourner travailler. Allez, plouf. Regarde ça, mon toutou. Et hop. Et glou glou. Ajoutons un peu d'épices. Les elfes adorent ça. C'est qui le meilleur? Ah, les étoiles sont mes préférées. Et hop, au four. Oh, bien, allons voir ce que le journal du Père Noël raconte. Quelque chose sur moi, peut-être? Alors, oh, ils ont annoncé les gagnants du concours. Nous savons qui t'aime le plus. Tu sais de qui il s'agit? Mamie. Et papa. Ah, ils t'aiment tellement. Pense à leur faire un gros câlin après cette vidéo et à leur dire que toi aussi, tu les aimes. Bon, allons au salon pour voir ce que mes livres disent d'autre sur toi. Mais laisse-moi juste prendre mon délicieux chocolat chaud à la crème. Attends un instant. Laisse-moi chercher le livre qui parle de toi. Où est-il? Oh, c'est celui que je cherche? Voyons voir ça. Oh, il y a des photos de moi enfant. Quel beau souvenir. Bon, peut-être une autre fois. Thomas, pas d'inquiétude, je sais quoi faire. C'est ma bibliothèque. Tout le monde a un livre ici. Voici le tien. Je me demande ce que je vais y trouver. Thomas, tu seras bientôt autonome. 5 ans. J'ai entendu dire que tu adores aller à la piscine. Je trouve que c'est merveilleux que tu dors dans ton propre lit. Je sais aussi que tu aimes manger des bonbons. Il y a aussi une recommandation pour toi. Écoute toujours tes parents. Bon, vérifions quelque chose maintenant. Ton cadeau est-il déjà prêt? C'est ta photo. Ça signifie que ton cadeau est prêt. Je te l'apporte bientôt. Bravo! Oh, et voici une photo de ton cadeau. J'ai hâte de te l'apporter.
Qu'y a-t-il d'autre à savoir sur... Mais d'où vient cette fumée, hein? Ne me dites pas que mes biscuits au pain d'épices sont en train de brûler. Oh, ils ne sont peut-être pas perdus. Regardons ça. Aïe, 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 aïe. Oh, mais qu'ai-je fait? Oh, ils n'ont pas une tête à être mangés. Oh. En réalité, je crois que je suis un mauvais pâtissier. Je devrais peut-être faire ce que je fais de mieux. Livrer des cadeaux? Eh ben oui, évidemment. Allez, c'est parti. Ah, vous êtes prêts, mes chers elfes? Ah, parfait. Hop là. Et maintenant, démarrons le traîneau. Ah, bien. Il est temps de partir en voyage autour du monde. Tous les cadeaux sont emballés. Il manque juste des biscuits à grignoter. Thomas, aurais-tu vu mon pot de biscuits par hasard? Ah, c'est ça. Je crois bien qu'il a disparu de la table. Bon, je dois vérifier où il faut livrer les cadeaux. Voyons ça. Oh, c'est là que tu habites, n'est-ce pas? Je vais pouvoir trouver facilement. Allons-y, à fond les ballons, Rudolf. À bientôt. Thomas, un instant, j'ai pensé à tout prendre. Oh non, j'ai oublié ton cadeau. Pas de panique, je vais arranger ça. J'ai une idée. Bien, bien, tous les cadeaux qui manquent viennent à moi. Oh là là, allez, vite, vite. Voilà, je crois que c'est bon. Parfait, les cadeaux sont chargés. Mais j'ai vraiment envie d'un biscuit. Oh, c'est quoi ça? Un passager clandestin. Ah, super! Je suis sauvé. Joyeux Noël! Au revoir!